Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité. Psaume 118, strophe 2. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers.
garder pur son chemin en observant ta parole. D'être mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne le sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Énumérer les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage, de la joie, lue entre tes richesses. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je crois en tes volontés bénédictes. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Psaume 102. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, alléluia. Lumière. Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes les offenses, qui te guérit de toute maladie, qui achète la fausse de ta vie, rassasie de bien tes années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés. Il relâche les sans abris, aux enfants disparus et aux frères. Le Seigneur. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Par la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme éloigne l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. Non, les séjours sont comme l'air. Et à faire des chants qui fait
plus ne connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours. Il est sa justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur tous ses anges, et vos puissants ouvriers de sa parole. Bénissez le Seigneur ses armées, serviteurs ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres, partout où s'étend son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ils vont activer les sans les cris de joie, car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur venant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur étendit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Père Mata El Maskin, l'aspect caché de la nativité. L'autre aspect de la naissance du Christ, enfant emmailloté et couché dans une mangeoire, c'est ce royaume proclamé depuis les cieux par les anges et par les sages, ce royaume pour lequel le Christ est né, afin de l'inaugurer et le gouverner pour le bien de l'homme. Nous devons bien prêter attention à cet autre aspect, parce que là réside la signification essentielle de la nativité. Une lecture attentive nous montrera que c'est cet aspect qui est davantage souligné dans l'Évangile et dans toute l'Écriture. Il n'est rien dans tous les dires et toutes les paraboles sur quoi le Christ lui-même est autant insisté que sur le royaume de Dieu. C'est même par là qu'il a commencé son ministère. Dès lors, Jésus se mit à proclamer et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Vous vous rappelez aussi les paraboles du Christ touchant le royaume de Dieu que nous trouvons dans tout l'Évangile et par lesquelles le Seigneur
en utilisant des comparaisons, s'efforcer de décrire et d'expliquer le royaume de Dieu qui défie toute description et toute explication. L'insistance qu'il met à présenter ces multiples paraboles et comparaisons du royaume montre bien l'importance qu'il attachait à ce royaume. Après tout ce qui en a été dit dans l'Évangile, après tous les commentaires, le royaume de Dieu demeure toujours nouveau et attend toujours sa pleine réalisation. Quand nous avons épuisé tous les mots, toutes les significations, la réalité du royaume est toujours la même. Une vie qu'on ne peut décrire, mais qu'on doit vivre. Aussi, nous avons beau parler du royaume, les mots seront toujours inadéquats. Et le royaume reste ce qui comble les désirs de l'âme, bien plus qu'il ne comble l'intelligence ou l'imagination. Commencement de la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons contemplée. Et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.
Et c'est nous qui écrivons cela afin que nous ayons la plénitude de la joie. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Comment a-t-il pu commencer à écrire? Comment a-t-il pu commencer sa lettre, tracer le premier mot, lui qui devait dire l'indicible? La parole de Dieu, la parole éternelle, créatrice, la parole que Dieu avait adressée aux hommes, qu'il avait donnée à son peuple par la loi et les prophètes, afin de se faire connaître, afin d'ouvrir à une relation de connaissance et d'amour, la parole donnée pour amener les hommes à la vie, cette parole qui disait l'amour éternel de Dieu pour l'homme, cette parole, un jour, a pris chair. C'est-à-dire l'amour de Dieu a pris chair, le cœur de Dieu a pris chair, le désir de Dieu, l'alliance, le chemin vers lui. Tout ce que Dieu avait à dire, toute la vie de Dieu a pris chair, s'est fait homme. Alors, en une phrase, Jean ouvre large, infiniment large. Ce qui était au commencement, reprenant les termes de son prologue, il donne à entrevoir toute l'étendue du mystère. Et juste après, il trace les mots les plus concrets de ce qui peut constituer une relation, une connaissance. Nous avons entendu, nous avons vu de nos yeux, nous avons touché de nos mains. Écartant au maximum en ces deux termes les deux bras du compas, ouvrant un horizon immense, aussi immense que l'amour du Père qui a envoyé le Fils pour nous donner au plus proche, au plus près, au plus intime, sa parole en ce Fils. Comment a-t-il pu commencer à écrire, lui l'apôtre envoyé pour nous dire par des mots ce que le Fils était venu nous dire par toute sa vie d'homme, par toute sa vie de Fils parmi les hommes? Comment a-t-il pu se lancer à dire l'indicible, sinon parce que le Verbe était en lui, sinon parce que c'était le Verbe de Dieu lui-même qui parlait en lui, sinon parce qu'il était lui-même Verbe de Dieu, par cette présence, par cette vie en lui? Oui, il avait vu, il avait entendu, il avait contemplé, touché, palpé cet homme qui disait tout de Dieu. Mais le Fils avait été plus loin encore. Pour dire l'amour éternel du Père, pour que la parole touche, rejoigne non seulement ceux qui auraient partagé sa vie, ceux qui auraient cru en lui, cru qu'il était en personne la parole du Père, mais aussi tous ceux à qui elle était destinée dans tous les siècles, il s'était donné comme un pain, pour que la substance même de ce qu'il était, pour que la substance même de la parole les transforme et les fasse devenir à leur tour parole de Dieu, Verbe du Père. Cet enfant naissant à Bethléem, la maison du pain, c'est cela. Ce tout petit couché dans la crèche, dans ce curieux berceau en forme de mangeoire, c'est cela. Ce nouveau-né déjà enveloppé de bandelettes annonçant sa vie donnée, c'est cela. La parole de Dieu, la parole d'amour de Dieu pour nous, son amour indicible qui se dit en se donnant. La parole de Dieu qui se donne en nourriture pour que l'amour soit en nous et nous transforme et nous fasse devenir sa parole, sa vérité, son Verbe. Le Verbe qui se fait chair, c'est Dieu qui veut prendre chair en nous, qui choisit que nous ne puissions plus parler de lui autrement que par notre vie d'homme, ni de mots ni de langue, mais en acte et en vérité, et qui pour cela naît en nous, est charité en nous,
Verbe de Dieu en nous. Ce petit enfant dans la crèche, c'est cela. Sans le moindre mot encore, il nous annonce déjà que l'unique possibilité désormais pour dire Dieu, c'est de le laisser naître en nous, être en nous, vivre et aimer en nous. Emmanuel,
avec saint Jean, disciple bien-aimé du Seigneur, qui a reposé sur sa poitrine. Dieu notre Père, nous te bénissons. Dieu, qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton apôtre saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Que tous les anges dans le ciel.